de s'unir et de faire quelque chose pour soi-même. Right. On n'a pas pu avoir une grosse économie en Amérique, mes frères et sœurs. On voit que les religieux, les noirs consomment ça beaucoup. Comment ça ne peut pas faire leur propre religieux? Les véhicules automobiles, les noirs, on consomme ça. Et les plus gros, les plus chers, on les consomme. Donc ça, les compagnies les font spécialement pour les noirs. Mais comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir nos propres compagnies d'automobile? On a des frères là présentement en Afrique qui ont parti une compagnie automobile. J'espère que les millionnaires aux États-Unis vont les supporter. J'espère que les rappeurs vont parler de ces autos-là. Ça, c'est des unis noirs. On ne quitte pas l'Afrique, pas tes frères. Alors, on doit les supporter. Mais tous ces jours-là, c'est important. On doit avoir quelque chose. On doit poser quelque chose. Tu vois? On veut toujours poser des danses, la musique. On est seulement dans la musique et dans le sport. Mais c'est pas seulement ça, mes frères et sœurs. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un problème de basket? La NBA, c'est les noirs qui font la NBA. La NFL, c'est les noirs qui font la NFL. Maintenant, on va faire le hockey. Les noirs qui vont faire le hockey, comment ça pourrait avoir nos propres affaires, mes frères et sœurs? Et il y a 20 ans, quand l'homme blanc était moins hypocrite, était plus direct, l'homme blanc les avait mis en ségrégation, ils avaient dit, hey, tu es là, moi je suis là. Et quand on était séparés, on avait nos propres affaires, mes frères et sœurs, aux États-Unis. Alors aujourd'hui, soit disant qu'on évolue, soit disant qu'on améliore nos conditions de vie, mais on n'a rien aujourd'hui en Amérique et à travers le monde, mes frères et sœurs. La majorité des pays noirs, l'économie n'est pas pour les noirs, mes frères et sœurs. Ce sont pour les colons, ceux qui envahissent le pays. Alors l'Arabe et la Djamane est venu avec un enseignement pour qu'on puisse faire cette unification-là, mes frères et sœurs. Parce que toutes les autres religions ou organisations n'ont pas pu unifier la communauté noire ou la race noire, mes frères et sœurs. On ne sait pas encore pourquoi on est noir. On a encore honte de nos cheveux crépus. On a encore honte de nos gros nez, nos lèvres, la couleur. On veut toujours parler de notre peau. On a tous les complexes d'infériorité. Et on attend Jésus, on attend Dieu. Pourquoi on ne dit pas à Dieu merci qu'on est noir. Merci d'avoir fait les gros nez, les cheveux crépus. Non. On montre à travers notre attitude et notre comportement qu'on n'est pas fier de ce qu'on est. Parce qu'on parle de notre peau. On met des faux cheveux. Les plus grosses compagnies de faux cheveux, c'est pas pour les noirs, les frères et sœurs. C'est pour les blancs. Il y a un documentaire où on te montrait qu'en Inde, combien d'argent qu'ils font avec les cheveux. Il y a des noirs qui sont venus et essaient d'aller donner aux Indiens les cheveux crépus. Ils disent, mais non, on pourrait faire avec ça. Ils vont pas acheter ça. Ils vont pas acheter les cheveux crépus, là. C'est les cheveux soie qu'ils veulent. Alors, mes frères et sœurs, on a un gros problème. On n'a pas de connaissance de qui qu'on est. On n'a pas d'amour de soi. On va aller à travers le sujet de l'après-midi. La deuxième partie de quelle maladie ces personnes souffrent-elles? On a des photos et on a posé la question de quelle maladie ces personnes souffrent-elles? De la première partie, on a été à travers le mot maladie. Tu vois, qu'est-ce que la maladie? On a été à travers ça. On a expliqué qu'est-ce que c'était la maladie. On va reprendre un peu. Quand on va dans le petit dictionnaire Robert, quand on va aller voir qu'est-ce que M. Robert le blanc dit, le mot maladie, ils disent que maladie c'est une altération de la santé des fonctions des êtres vivants. Ça c'est la première définition. Il y en a une autre définition encore. Ils disent troubles de la manière de se conduire, comportement excessif. Alors c'est ça une maladie, c'est une altération. Qu'est-ce que le mot altération veut dire? Changement. Un changement dans ta santé, dans ton fonctionnement des êtres vivants, mes frères et sœurs. Alors, il doit avoir une bonne façon de fonctionner. Tu vois, qui décide de comment on doit fonctionner? Qui décide que maintenant, c'est comme ça qu'on doit être, qu'on doit plus être comme ça? Est-ce que c'est nous qui décidons aujourd'hui? Est-ce que c'est nous qui avons le pouvoir sur la planète? Qui décide d'avoir aujourd'hui? Qui influence, qui donne les tendances aujourd'hui? C'est pas nous. Et même quand c'est nous qui vient avec, c'est pas nous qui bénéficie de ça. C'est pas nous qui en bénéficie, mes frères et sœurs. Sur la photo, on voit des frères avec les pantalons sur leurs fesses. Qui a décidé que ça maintenant, c'était la mode que nos frères et sœurs devaient faire? Depuis combien de temps nos frères et sœurs font ce style-là, les pantalons en dessous de leurs fesses? Mais comment ça veut dire qu'on n'a pas vu Obama avec les pantalons sur ses fesses?
Think about it. Comment ça se fait, on voit jamais des présidents avec des pantalons sur leurs fesses? That's right. Bouche, il n'y a pas de pantalons sur les fesses. Pourquoi les hommes qui sont importants, les hommes qui ont l'argent, les hommes qui représentent la société, ils n'ont pas de pantalons sur leurs fesses? Mais nos frères, à nous, ils ont pas de pantalons sur leurs fesses. Tu vois des millionnaires avec des pantalons sur leurs fesses. The Birdman, Lil Wayne, tous ces gars-là, Chief K, whatever, pantalons sur leurs fesses. C'est du moins qui ont de l'argent. Est-ce qu'on pense vraiment que ces personnes-là qui ont de l'argent, ils utilisent leur argent pour que la communauté puisse en bénéficier? Est-ce que tu penses que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont normales? Qui décide de la norme, mes frères et sœurs?